Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, on vlog. On s'en va à Montréal rencontrer Nathalie de la chaîne Nathalie TV. C'est parti! Alors, je suis en direction de Montréal pour aller rencontrer Nathalie de la chaîne Nathalie TV. Vous savez qu'à l'origine, on devait être trois. Nathalie de Beauty Diva devait être avec nous, mais malheureusement, elle a eu un accident, elle est tombée et elle s'est blessée au visage. Donc, ce matin, Nathalie de Beauty Diva ne sera pas avec nous. On va penser très fort à elle, mais je suis présentement en direction pour le Pharmaprix de Pointe-Claire. Donc, j'ai environ plus ou moins 3 heures de route à faire. Je vais vous revenir de temps en temps pour vous dire un petit bonjour, mais je voulais vous présenter pendant que j'ai le temps, un petit produit que j'ai acheté chez Bath & Body Works. Je vous présente ça. C'est un genre de sambon comme ça pour le dos. On l'accroche après le pare-soleil et à l'intérieur, ici, on change les capsules. Ça, c'est une capsule, je vais vous dire le nom tantôt, je vais regarder quand je vais m'arrêter. Ça sent très bon et moi, j'adore cette odeur-là. Ça sent dans toute la voiture, c'est un très bon achat. Puis en plus, le petit contenant, il est vraiment très joli. Donc, que je vous reviens tantôt. Moi, quand je conduis longtemps comme ça, j'écoute ma station préférée, c'est 80s on 8 sur Sirius XM. J'adore cette station de radio-là. C'est tous des vieux succès de mon jeune temps des années 80, donc j'adore ça. Je vous avais dit que je vous reparlerais de mes petites capsules que je mets dans mon diffuseur de voiture. C'est à ça que ça ressemble. J'en ai une ici qui s'appelle Bourbon et l'autre s'appelle Stress Relief. Donc, on fait juste les insérer dans le diffuseur que je vous ai montré tantôt. J'ai acheté ça chez Bath & Body Works. Ça m'a coûté moins de 20 $. Là, c'est, j'aime bien ça pour mon auto. Bien, je vous parle un petit peu du meet-up qu'on va avoir ce matin, de la rencontre plutôt qu'on va avoir ce matin. C'est Nathalie de Beauty Diva qui avait organisé tout ça. Malheureusement, comme je vous disais, elle ne sera pas avec nous, mais le Pharmaprix de Pointe-Claire a été super gentil de nous recevoir. Ils ont même organisé un petit goûter. Ça va être super le fun. J'espère qu'il y a des abonnés qui vont s'être déplacés. En passant, moi je suis une fille de Québec. À Québec, nous sommes des 100 IKEA. Moi quand je vais dans la région de Montréal, j'en profite tout le temps pour faire mon petit pèlerinage chez IKEA. Je ne sais pas si ce matin je vais avoir le temps d'arrêter. Je vais regarder à l'heure où je vais passer tout près du magasin. Je vais peut-être prendre une petite demi-heure pour aller faire un petit pèlerinage habituel. Maintenant, à Québec, on a un centre de distribution IKEA. Quand j'ai monté mon coin beauté, je pense que vous avez vu mon coin beauté dans mes dernières vidéos, on peut maintenant, les gens de Québec, commander en ligne et on reçoit pour 20 $ de livraison. C'est livré au centre de distribution de Québec. Et au centre de distribution, il y a un mini magasin où il y a quelques petits objets de déco et quelques meubles en démonstration. Bon, c'est mieux que rien, mais comme beaucoup de filles de Québec, ben, quand on va à Montréal, ben, on en profite pour faire le petit pèlerinage chez IKEA. Donc, on s'en reparle tantôt. Je profite du fait que je vlog et du fait que je suis en voiture pour vous présenter mon produit québécois qui sera adapté à la conduite automobile cette semaine. Je vous présente un service de raccompagnement qui s'appelle Tolérance Zéro. C'est quoi Tolérance Zéro? C'est des gens qui vont nous raccompagner quand on a trop bu de boisson et qu'on ne peut pas conduire notre véhicule. Donc, ils arrivent deux personnes avec une voiture et ils vont nous raccompagner et raccompagner aussi notre voiture à la maison. C'est un service auquel on peut s'abonner soit personnellement, soit abonner notre famille. Pour la famille, je crois, si on veut s'abonner, je crois que c'est aux alentours de 65 $ par année.
Mais l'avantage là-dedans, c'est que si on abonne la famille, ça fait que notre maison aussi est abonnée, notre lieu de résidence. Donc moi, quand je fais un souper chez moi et que les gens veulent un service de raccompagnement, ben même s'ils ne sont pas abonnés à Tolérance Zéro, ben je peux les appeler quand même et ils vont les raccompagner et raccompagner la voiture à la maison. Pour payer, qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement faire une donation au chauffeur là, qui vient nous reconduire à la maison. Moi, je dois vous avouer que je l'utilise souvent. Je suis quelqu'un que, premièrement, je veux pas qu'il m'arrive, je veux pas conduire en boisson, je veux pas qu'il m'arrive d'accident, mais je suis aussi quelqu'un qui, pour mon travail, a besoin de mon permis de conduire. Donc, je suis une abonnée assez assidue de ce service de raccompagnement-là. Je vais vous mettre toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Alors, je suis arrivée. 3 heures plus tard, on a eu un petit peu de trafic sur le boulevard métropolitain, mais je suis arrivée, donc je vais rejoindre Nathalie. À tantôt. Hey, ben, je vous présente mon amie, Nathalie. Oui, présente-nous donc, Léo. Oui. Moi, je suis plus belle, okay. En tout cas. Ben, regarde, on s'améliore. Je suis plus belle en haut. Hey, on est contente, on vient de se rencontrer. Oui. On est à Montréal, donc on est à Pointe-Claire. Je suis vraiment contente de rencontrer Nathalie. On est belles ensemble. Ben oui! Je vais peut-être te donner une photo ou quoi. Bonjour, Julie. Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je suis tellement heureuse. C'est tellement agréable de voir les gens pour le vrai, enfin. De toute façon, tu es tellement près de nous lorsque tu nous parles et toi aussi, c'est la même chose. Mais le fait d'être en personne. En chair et en or. Alors, on sert pour de vrai. C'est un pur bonheur. C'est du bonheur. Je suis contente. Non, mais c'est tellement agréable, ces amitiés-là. C'est tellement merci plaisir. D'avoir fait. Je suis mieux du monde pour toi. Je suis contente. Tout ça, c'est ressemblant, je trouve. Jasmine. Oui, c'est vrai. Qui est son prénom? Mais c'est quoi? Jasmine. Ben, voyons donc. Je le sais. Quelle intuition. C'est rose gold comme tu voulais. Oui, j'adore. Yeah. Merci beaucoup. Est-ce que t'aimes les lèvres? Oui, j'adore. Ouais, c'est un beau, ça marche avec ta robe. C'est une journée magnifique. Nathalie, Julie sont magnifiques. Il nous en manque une, Nathalie de Beauty Diva, qui malheureusement n'a pas pu être présente. Mais cet événement, ça illumine ma journée aujourd'hui de pouvoir être en contact avec des vrais gens, la vraie personne derrière l'écran, les écrans, que ce soit Julie ou Nathalie. Elles ont beaucoup à nous apporter. Elles m'ont donné beaucoup durant cette année. Elles ne sont pas belles, puis je mets juste des fois un eyeliner puis du mascara, puis ça rend les gens là. D'ailleurs, je vais te demander, tu me feras un petit coup. Alors, notre rencontre est terminée. Je suis sur le chemin du retour. Donc, j'ai passé une après-midi tout à fait exceptionnelle. Je suis tellement heureuse d'avoir rencontré Nathalie. C'est une femme exceptionnelle. Elle est généreuse. Elle est attachante. Je n'ai que des qualités à dire sur elle. Vraiment, c'était... Je la considérais comme une amie. C'était jusque-là une amie virtuelle parce qu'on ne s'était jamais vu. Mais je pense que c'est le début d'une vraie et longue amitié. Donc, je me suis fait une nouvelle amie aujourd'hui. Et j'ai quand même une pensée pour Nathalie de Beauty Diva. On lui a parlé au téléphone. Nathalie qui se remet de ses blessures. On a eu aussi la chance de rencontrer des abonnés de Nathalie surtout. Donc, merci à tout le monde qui sont venus nous voir. C'était une belle journée. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.